Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il ici? Madame Isquin! N'appelez pas les pompiers! J'ai trouvé d'où vient l'odeur de mes chouis cramés! Monsieur? Youhou! Je peux vous aider? Mais elle va me répondre, oui, la chef sous Prozac! Ah ben quand même! Je disais donc, puis-je vous aider? Allô, vous parlez ma langue? Déjà, je suis pas une chèvre. Je suis un bouc, mon poulet. Ouais, et moi je suis pas un poulet, mais un canard. Vous voulez savoir quoi? Ben, si je pouvais vous aider. Oui, vous le pouvez. Mais je rêve. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. C'est bon. Que voulez-vous savoir? Eh bien, déjà ce que vous faites sur mon bureau. Sans pantalon. Et les parties génitales sous ma lampe. Je me fais juste une séance de bronzage du périnée. Une séance de... De bronzage du périnée. Je me fais bronzer l'anus, quoi. Mais ce n'est pas une lampe à UV. Viens de m'en rendre compte un instant. Et sinon, vous êtes... Ben, sur votre bureau, à ce que je comprends. Non. Je voulais dire, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur face de bouc. Je suis envoyé par le bureau pour vous épauler. Je n'ai pas besoin d'aide pour trier les archives du commissariat. Là-haut, ils pensent que si. Et pour me punir, ils m'ont aussi rétrogradé aux tâches administratives. Excusez-moi, mais pour ma part, je n'ai pas été rétrogradé. J'ai demandé à travailler aux archives. Sans déconner. Mais vous n'étiez pas inspecteur avant? Oui, mais disons que le manque d'enquête et de meurtre dans cette ville m'a incité à revoir mes priorités. Bon, ben, je vais finir quand même ma sieste parce que... Ben, j'en ai rien à foutre en fait de votre vie. Merci, c'est toujours agréable. Bon, cette fumée m'irrite un peu trop la gorge. Il me faut un bon verre d'eau. Et hop, nous avons un verre. C'est un très vieux donut tout sec. Je n'ai pas trop besoin de ça pour le moment. Rien que l'odeur pourrait réveiller un mort. Ou quelqu'un qui dort bien et ronfle comme un tracteur. Voyons ce que nous avons sur notre panneau de suivi d'enquête. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et je ne crois pas avoir envie de le savoir. C'est le casier où sont rangés tous les dossiers des enquêtes. Pour faire simple, ce n'est qu'un décor puisque tout est désormais numérisé sur notre ordinateur. Cette horloge ne fonctionne plus. Vous voulez la version courte ou la version romancée? Je vais vous faire les deux puisque vous ne répondez pas. Version romancée. Cette horloge ne fonctionne plus depuis que la foudre s'est abattue sur le clocher de la ville. Et qu'une DeLorean DMC-12 est apparue comme un diable en laissant des traînées de feu devant la porte de ce bureau. La version courte, il n'y a simplement plus aucune pile dedans et on n'a pas d'échelle de toute façon pour grimper là-haut et l'échanger. Ah oui! Et aussi parce que c'est moins compliqué pour le développeur de ce jeu de poser une horloge qui ne fonctionne pas.
Un tas de cartons avec certainement beaucoup de paperasse dedans. Je vais laisser le stagiaire face de bouffouiner là-dedans. Ça l'occupera quelques minutes. Laissons-le dormir pour le moment. C'est un ordinateur, quoi. Je ne sais pas vraiment qui appeler pour le moment. Il faudrait crever ce bidon avec un objet pointu pour faire couler l'eau. Ou alors, juste trouver un verre vide et le remplir avec les robinets de la fontaine. Réfléchissons quelques secondes. Je crois que ce serait plus intelligent d'utiliser un verre, en fait. Il n'y a plus qu'à voir. Eh bien, à la vôtre. Allons voir qui souhaite nous parler. Bureau des archives. Que puis-je faire pour vous? Salut, Maigret. C'est le capitaine Ichiro. Mais restez, capitaine Ichiro. Vous n'allez pas le croire, mais je suis actuellement sur une scène de crime. Sérieux? Une vraie boucherie. Monsieur Kwan a été découpé en morceaux façon pièce de charcuterie étalée sur un présentoir de banquet. Mais c'est horrible! J'ai besoin de vous confier l'enquête de ce crime. Mais je vous rappelle que vous m'avez retiré mon insigne et mon arme, capitaine. Ah, tiens, tiens. Finalement, on n'a pas quitté son poste d'inspecteur volontairement, on dirait. Fermez votre gueule! Vous sentez l'oignon caramélisé à 3 km à la ronde! Comment? Non, non, désolé, capitaine. Je parlais à un bouc qui se fait frire le cul sur mon bureau. Je vous réhabilite. Passe de bouc est bien arrivé dans vos locaux. Ah oui, capitaine. Pour être là, il est bien là. Bon, très bien. Puisqu'il est déjà sur place, je le réhabilite aussi. Et vous l'affecte en partenaire sur l'enquête. Prenez-le avec vous. Et allez chercher tous les deux vos insignes et vos armes à l'accueil du commissariat. Gaspard vous attend. Il est au courant. Ensuite, retrouvez-moi chez Monsieur Kwan au 15 rue des Peupliers Secs. 15 rue des Peupliers Secs. Ok. Nous arrivons très vite, capitaine Ichiro. Et merci pour la confiance que vous m'apportez pour cette mission. Ne me le faites pas regretter. Je vous attends. Bon, maintenant nous devons trouver un moyen de réveiller Face de Bouc pour que nous allions ensuite chercher notre matériel. Avant d'aller aux 15 rue des Peupliers Secs, rejoindre le capitaine Ichiro pour démarrer notre enquête. C'est un très vieux donut tout sec. Nous avons le donut. Agitons ce délicieux donut cramoisi et périmé devant la truffe de ce malotru. Je pense que ça devrait le réveiller. J'espère que c'est sans gluten.
Je ne sais pas comment il fait pour mastiquer en restant allongé. Mais je reste satisfait de voir qu'il ferme sa gueule quand il mâche. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais c'est de la merde! Non, c'est Cloug. Pardon? Non, non, j'ai rien dit. On aurait dit une pâtisserie qui a macéré pendant des années dans le trou du cul d'un démon. Avant d'être expulsée dans une fosse à purin. On dirait même qu'ensuite, elle a été récupérée puis mastiquée, recrachée par Philippe et Stebest. Ou pire encore, par Laurent Mariotte. Maintenant, j'ai mal au bide. Faut que j'aille démouler un cake. Les toilettes sont en bas. Non, non, c'est bon. J'ai trouvé des toilettes dans ce bureau. Mais il n'y a pas de toilettes dans ce bureau. Si, si. En attendant, tourne-toi et ferme les yeux que je me rhabille. J'ai quand même vos bourses poilues sous les yeux depuis 20 minutes au moins. Question de principe. Et en plus, je suis pudique. Maintenant, il faut que j'aille déposer les enfants à la piscine. Vous avez des enfants? Mais non, Donald. C'est une expression pour dire qu'il faut que je chie. Et pouvez-vous me montrer où vous avez trouvé des toilettes dans ce bureau avant que j'arrive? Non! Vous n'avez pas fait ça! Bon, il faut que nous trouvions les plans de la ville pour nous rendre aux 15 rues des Peupliers Secs. De toute façon, je ne sortirai pas d'ici tant que j'aurai l'écureuil qui tape au carreau. Quel écureuil? Laisse tomber. Je vous confie votre première mission, monsieur Face de Bouc. Trouvez où sont ces fichus plans de la ville, s'il vous plaît. C'est ça. Prenez-moi pour un mouton de 2 semaines. Je me doute bien que tout ce qu'il y a là-dedans est informatisé de nos jours. Vous savez ce que c'est qu'un Kinder Surprise? C'est un œuf en chocolat avec un petit jouet surprise à l'intérieur. Eh bien, c'est le même principe pour ce carton surprise. Oh mon Dieu! Mais il est rempli à ras-bord d'extrêmement, ce carton! Mais vous êtes là depuis quand? Ben, je suis arrivé hier soir, quoi. Et maintenant, mon canard, bouchez votre nez. Fermez vos yeux et vos oreilles. Je vais détruire l'échelle de Richter. Ce carton contenait mes relevés d'imposition. Non, par pitié, ne chiez pas dans... Mon carton. Je peux vous avouer que ça m'a bien soulagé. Je me sens plus léger maintenant. J'ai comme l'impression que je vais m'éclater ici. Sérieux? Je pense que nous allons en rester là. C'est sur cet ordinateur que j'ai joué toute la nuit à un super jeu point and click. Grandma Badass. J'ai adoré rentrer dans la peau d'une mamie à la recherche de son chat. Et je dis bien rentrer dans la peau, hein? Pas autre part. Si je m'écoutais là, j'appellerais bien le développeur de Grandma Badass pour lui demander de m'offrir un rôle dans son prochain jeu vidéo en point and click.
Oh, super! Un verre! Ça va très certainement changer ma journée. Mais je pense qu'il serait plus intéressant de trouver ces fichus plans de la ville. Découvrons où en est l'enquête du jour. Je n'ai pas soif pour le moment. Et hop, j'ai récupéré mes poils. Vous plaisantez, j'espère. Jamais je ne toucherai ces poils de roubignol de bouc grillé. Il n'y a rien d'intéressant dans ce tiroir. Le tiroir est totalement vide. Ce tiroir aussi est totalement vide. Aussi vide que mes intestins. Je commence à me demander si on se moque pas de nous, là. Pas de plan de la ville dans ce tiroir. Allez, essayez de deviner. Gagné, y'a rien en paix dans celui-là. Je pense que vous avez aussi compris le truc. On va devoir les ouvrir jusqu'au 8e pour trouver les plans. Quelle surprise! Il n'y a pas de plan non plus dans ce tiroir. Bon, logiquement, le dernier, c'est le bon. Tada! Le tiroir cachait bien deux plans de la ville. J'y crois pas. Ils ont osé faire ce coup-là. Je me suis déjà fait rembourser des jeux par Steam pour moins que ça. Non, non! Ne l'écoutez pas et restez avec nous! Nous n'avons même pas encore commencé la première enquête. Oui, c'est vrai que ce jeu est réalisé par une seule personne. Il faut le soutenir. Avec plus de soutien, on obtiendra plus d'épisodes. Plus d'épisodes, ça veut aussi dire encore plus de plaisir. Et plus de plaisir, ça veut dire... Ouais, ben c'est bon. Je pense qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas se faire rembourser sur Steam. En plus, ils ont rien payé, là. Comment ça? Oui, ils sont en train de jouer à la démo gratuite, là, en fait. Bon, nous nous servirons des cartes plus tard. Pour le moment, nous devons récupérer nos insignes et nos armes. Suivez-moi, Facebook. Nous allons voir l'agent à l'accueil du commissariat. Ai-je le choix? Non. Bonjour, agent Gaspard. Mes respects, inspecteur Magret. Je vous présente mon nouveau stagiaire, monsieur Face de Bouc. Je suis heureux de le connaître. Excusez-moi, mais... je suis aussi inspecteur et non stagiaire. Ils disent tous ça. Ah, il a beaucoup d'humour, ce Bouc. On dirait bien, inspecteur. Mais vous êtes aussi con l'un que l'autre, en fait. Il va se calmer, le stagiaire, ou je vais lui offrir un tour gratuit en garde à vue. Et c'est donc pour voir, Winnie l'ourson. Bon, calmons-nous et revenons-en à ce qui nous amène ici. Le capitaine Ichiro vous a normalement laissé nos insignes et nos armes. Oh, je suis désolé, mais ça me dit rien. Vous n'avez rien pour nous? Je pense que le capitaine Ichiro a encore oublié de me laisser vos pièces. Bon, nous allons devoir ça avec lui, du coup. Bon courage, inspecteur. Merci. Il ne reste plus qu'à regarder sur notre carte où se trouve le 15 rue des Peupliers Secs et de nous y rendre.
Savez-vous si le capitaine Ichiro est toujours sur la scène du crime? Tout à fait. En tout cas, il n'est pas encore rentré. Merci, et à plus tard. Bonne journée à vous, inspecteur Magret et son stagiaire. Andouille, portons. Excusez-moi, Gaspard. Oui, inspecteur. C'est qui la mamie qui est recherchée sur l'affiche derrière vous? C'est la mère Michel, plus connue sous le nom de Grandma Badass. Elle est recherchée pour quoi, en fait? Elle aurait tué l'oiseau bleu de Twitter et kidnappé un chihuahua il y a quelques jours de ça. Mon Dieu, quelle sauvagerie! Mais il paraît qu'elle aime les chats, par contre. Normal, quand on s'appelle la mère Michel. Pardon, je n'ai pas compris. C'est rien, humour français, laissez tomber. Nous n'allons pas rentrer dans le bureau du capitaine alors qu'il n'est pas là. Retrouvons l'endroit de la scène du crime sur notre plan de la ville. Bonjour, agent ChatGPT. Oh, bien le bonjour, inspecteur Magret. Vous semblez heureux de faire le planton. Est-ce que c'est de l'ironie, monsieur Magret? Non, juste un constat. Eh bien, occupez-vous plutôt de vos oignons, cher archiviste. Je suis de retour à la section crime et je reprends les enquêtes. Oh, pour moi, vous resterez à toujours le petit archiviste sans ambition. Vous me semblez vraiment de bonne humeur. Je n'aime pas vraiment votre ton ironique, inspecteur. Le capitaine Ichiro m'attend à l'intérieur pour me confier l'enquête du crime. Puis-je entrer? Désolé, inspecteur Magret. Mais il faut me montrer votre carte de police pour pouvoir entrer. Mais c'est absurde. Vous me connaissez quand même. Oui, mais je ne peux pas vous laisser entrer sans votre carte de police. Le souci, c'est que c'est le capitaine Ichiro qui a ma carte. Eh bien, demandez-lui de vous la donner. Oui, mais il est à l'intérieur. Ah, je vois. Il faudrait que vous rentriez pour avoir votre carte de police, du coup. Voilà. Oui, mais vous ne pourrez pas rentrer pour prendre votre carte de police sans avoir votre carte de police pour rentrer. Mais comment faire, du coup? Vous voulez que je prenne ma carte à l'intérieur, mais vous ne voulez pas me laisser entrer. Pas de carte, pas d'entrée. C'est pour une caméra cachée, c'est ça? Non. C'est juste le protocole. Ok, je vais voir s'il n'y a pas une autre solution pour récupérer ma carte et mon arme. Voilà. Et quand vous avez votre carte, vous pourrez passer. Et encore bravo pour ce zèle, agent ChatGPT. Merci, monsieur l'inspecteur Magret des archives. Vous me semblez vraiment en forme. Ne cherchez pas à me flatter, monsieur Magret. Ce genre de choses ne fonctionne absolument pas sur moi. On a tous un point faible. Je suis un chat. Je suis génétiquement programmé pour dominer prochainement le monde. Il n'y a aucune place pour les points faibles chez nous, les chats. En tout cas, vous ne manquez pas de modestie. Non, rien du tout. Je reviendrai plus tard. Très bien. Surtout, prenez votre temps avant de revenir. Charmant. Ce tas d'ordures m'a l'air bien dégueulasse. Pourquoi me salir les mains alors que j'ai un stagiaire? Je vais laisser Face de Bouc prendre l'initiative de fouiller là-dedans.
Bonjour, mon Minou. Vous êtes... On se connaît. C'est quoi ces manières de parler? Oh punaise, une petite chatte précieuse. Vous savez que vous paierez pas plus cher en souriant? Vous savez que vous feriez des économies en fermant votre gueule? J'accompagne l'inspecteur Maigret. Je suis face de bouc et je suis de retour sur la scène. Une information qui ne casse pas trois pattes à un canard, si j'ose dire. Vous me semblez vraiment avoir besoin d'antidépresseurs, vous. Et vous, d'une garde à vue, non? Le capitaine Ichiro m'attend à l'intérieur pour me confier l'enquête du crime. Puis-je entrer? Désolé, inspecteur face de bouc. Mais il faut me montrer votre carte de police pour pouvoir entrer. Mon visage béatifique de bouc, inter et loyal aux forces de l'ordre, ne suffit pas? Ce n'est pas ce que j'appelle vraiment un visage béatifique. Le souci, c'est que c'est le capitaine Ichiro qui a ma carte. Eh bien, demandez-lui de vous la donner. Ouais, mais il est à l'intérieur. Ah, je vois. Il faudrait voilà. Que vous rentriez pour avoir votre carte. Vous ne pourrez pas rentrer, bien. Pas d'entrée auprès de ma carte intérieure. Mais vous ne voulez pas me laisser rentrer. Et un séjour de 48 heures en cellule, ça vous dirait aussi? Je vais voir s'il n'y a pas une autre solution pour récupérer ma carte et mon arme. Voilà. Et quand vous aurez votre carte, vous pourrez passer. Vous n'êtes qu'une peine à ronronner. Merci, monsieur l'inspecteur Kebab. C'est normal que vous n'ayez pas votre casquette réglementaire de policier sur la tête. C'est normal que vous soyez de sortie sans votre cerveau. Ah, je vois. Monsieur cherche la confrontation. N'est pas le temps pour ça. Désolé, mais j'ai un métier de responsabilité. Moi. Tu parles d'une mission. Restez planté là à surveiller qui sort et qui rentre. Peut-être que votre mère aurait dû faire pareil. Je n'ai pas compris. Pas étonnant. Je vais faire une imitation de canard. Essayez de deviner qui c'est. J'ai hâte de voir ça. Oh, c'est hypnotique. On dirait vraiment l'inspecteur Maigret. Je ne m'en lasse pas. Vous êtes sur une scène de crime. Ne touchez pas à ce buisson. Un bon tas d'ordures. Tout le monde sait que les boucs adorent brouter n'importe quoi. C'est sûrement pour ça que le canard me laisse faire les poubelles. Nous avons trouvé un vieux journal. Quelqu'un semblait en vouloir à Monsieur Kwan. Un mystérieux inconnu a effectivement tagué la phrase « Kwan voleur » sur le volet métallique de la fenêtre. Un indice intéressant à noter. Lancer quelque chose dessus pour l'atteindre. On dirait une bouche d'aération. Peut-être qu'en arrivant à enlever la grille, on pourrait s'infiltrer par là. Enfin, peut-être pas moi et mon gros cul. En tout cas, je pense pouvoir la déchausser, mais pas à main nue. Excusez-moi, mais il va falloir arrêter de me chatouiller ainsi.
le bouton est mort, il se passe rien. Non, c'est bien fermé à double tour. Un jeune enfant, et hop, nous avons la barre de fer. Tout est possible avec ma grosse barre de fer bien dure. Voilà, le journal est placé. Et maintenant ? Je vais faire une imitation de canard. Essayez de deviner qui c'est. J'ai hâte de voir ça. Oh, c'est hypnotique. On dirait vraiment l'inspecteur Magret. Je ne m'en lasse pas. Notre ami le chat a l'air très attiré par ce que fait Face de Bouc. Profitons-en qu'il ne regarde pas pour voir si ce buisson ne cacherait pas quelque chose. Oh, il y a un briquet là-dedans. On le récupère. Je suis fin prêt pour faire l'émission Incroyable Talent. On va enfumer les personnes à l'intérieur. Comme ça, elles sortiront et nous ouvriront la porte. Ah, la fumée s'échappe par la ventilation. Il faudrait empêcher cette fumée de s'évacuer par là. Voyons voir si j'arrive toujours à lancer aussi bien qu'à l'université. Bon, je me suis arrêté aux classes élémentaires, mais j'aime bien dire ça. Allons balancer cette barre de fer sur la ventilation pour voir ce que ça donne. On dirait que ça fonctionne. C'est tout, c'est bon signe. Enfin, bon signe pour nous, je veux dire. C'est normal qu'ils sortent pas. Je ne sais pas. Pourtant, je reconnais la toux du capitaine Ichiro qui semble y laisser un poumon, là. Je crois bien qu'ils sont enfermés à l'intérieur. C'est pas possible. Et on ne peut pas retirer cette fichue barre de fer de l'hélice. Elle est hors d'atteinte. Ah, la porte s'est finalement ouverte. Oui, je vois enfin la tronche de ce fameux capitaine Ichiro. Enfin, il semble quand même dans un piteux état, là, hein. Heureux de vous voir sain et sauf, capitaine Ichiro. Ouais, j'ai bien failli ne jamais vous connaître de votre vivant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin vous débarquez? Il était temps, hein? Entrez et suivez-moi. Il y a quand même encore beaucoup de fumée là-dedans. C'est pas un peu dangereux? On est dans un jeu point and click. La fumée se dissipera toute seule et comme par magie, une fois à l'intérieur du café. J'espère que vous avez les boyaux bien accrochés, parce que ce que vous allez voir là-dedans, ça risque de vous filer des cauchemars jusqu'à Noël prochain. Donc, vous avez ici la tête de Monsieur Kwan,
suspendu au crochet comme un CD-ROM qu'on met sur son balcon pour faire fuir les pigeons. Pour moi déjà, ce n'est pas un suicide. Merci Sherlock. Je pourrais taper dans la tête comme sur un punching ball pour muscler mes biceps. C'est plus le cerveau que vous devriez muscler, monsieur Face de Bouc. Là, vous avez une autre partie du corps. Je crois que c'est la jambe gauche. Droite. Je sais plus. Enfin, c'est un beau jambon, quoi. Voici le reste du corps. Excusez-moi, capitaine Ichiro, mais... il ne manquerait pas quelques organes, monsieur Kwan? Oui. Oui. Vous avez raison de le souligner. En effet, il manque des bouts. Je présume que les autres parties que nous ne trouvons pas sont sur ce présentoir. Ce sont des saucissons, ça, non? Oui, inspecteur Magret. Ce sont bien des saucissons. Je vous laisse parler avec le légiste et vous confie cette enquête. À ce propos, vous deviez avoir laissé nos insignes et nos armes à Gaspard à l'accueil. Ah oui, en effet, j'ai emporté avec moi vos armes et vos insignes. Je vous les rends de suite. Mais ce sont des pistolets à eau que vous nous avez donnés là. On touche vraiment le fond dans ce commissariat. Je ne pensais pas que vous le remarqueriez. Mais oui, ce sont bien des pistolets à eau. Restriction budgétaire. On a revendu vos armes sur le bon coin. Bon, eh bien nous allons commencer notre enquête en fouillant cette scène de crime et en analysant les indices. Que la belle journée de merde commence. Bonjour messieurs, je suis votre nouveau légiste, monsieur Corbillo. Est-ce que c'est un morceau de monsieur Kwan que vous mâchouillez là? Hein? Quoi? Un morceau de qui? Non, c'était juste un chewing-gum à Rubicon. Oh putain, il est flippant lui. Je viens d'arriver et je suis heureux de faire votre connaissance. Je ne suis pas certain que ça soit une bonne nouvelle du coup. Avant toute chose, je tenais à vous informer que je viens de vous installer à distance notre toute nouvelle application sur votre ordinateur de bureau. Ouf, il n'est pas dangereux, c'est un geek. Ah, c'est très intéressant. Et elle sert à quoi? En fait, elle vous permet de trouver les meilleures conventions obsèques du marché actuel. Et en bonus, accrochez-vous bien à ce que vous pouvez. Je vous ai installé une application mortelle. Non, en fait, je reviens sur ce que je viens de dire. Ce vautour fait vraiment flipper. Vous avez, sur votre ordinateur, la toute dernière version de l'application Cercueil Online. Cette application vous permet de commander en direct un cercueil à mon cousin. Vous entrez juste votre taille et la qualité et la nature du bois que vous désirez. Et hop, c'est dans la boîte. Enfin, si j'ose dire. Mais où suis-je tombé encore, moi? C'est quoi ce patelin de taré? En ce moment, mon cousin fait des bonnes réductions sur les cercueils en chêne. Du bon bois, le chêne. Qualité optimale, solide et luxueux. Mais je plaisante, messieurs. Humour de légiste. Ouf, me voici rassuré. Vous auriez vu vos tronches. Surtout la chèvre, là. Gna gna gna, cette voiture fait vraiment flipper. Gna gna gna, gna gna gna. Je suis pas une chèvre. Je suis un bouc en douille de volatile. Pardon? Oui, bon, Et l'application alors, c'est quoi en vrai? Ah oui, l'application.
il vous suffit d'allumer votre ordinateur et vous serez connecté automatiquement à notre nouveau logiciel de police. Quelle originalité! Vous pourrez trouver évidemment des fichiers de tous les criminels de la planète. Incroyable! Et notre nouveauté, un annuaire de la ville pour trouver adresse, nom ou téléphone de nos citoyens. Révolutionnaire! Vous avez également une messagerie interne sécurisée pour recevoir les mails des différents services de police. Rassuré de voir qu'il y a Internet dans ce trou paumé. Inter quoi? Oui, bon, c'est un logiciel de police traditionnel, quoi. Ah non, il y a une petite différence quand même. Je m'attends au pire. Il y a une base de données d'informations privée sur tous les citoyens de notre ville. Même les services secrets du pays n'ont pas ça. C'est légal, ça. La bonne question con du jour de l'inspecteur Magret. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est pratique. Bon, à présent, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions sur les premiers éléments que j'ai relevés sur cette scène de crime, demandez-moi tout simplement. Bonne enquête, messieurs, et faites comme chez vous. Ouais, enfin, chez moi, j'ai pas 100 kilos de viande à saucisse étalée partout dans le salon. Mais arrêtez donc de râler et mettons-nous au travail, monsieur Facebook. Thank you.